Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je me suis acheté, alors j'ai déjà utilisé hein, pour tester avant de vous faire une vidéo quand même, de l'aquarelle, donc du coup en dur. Voilà, parce que j'en ai aussi en pot comme ceci, tout mou, voilà. Mais je préfère celle-ci, niveau couleur elle est beaucoup mieux. Du coup je vais vous faire un petit dessin du loup de Zelda, et je vais utiliser du coup l'aquarelle. J'espère que ça va vous plaire, je vous laisse regarder la suite. Bon visionnage! Donc voilà, j'ai fait un croquis, bien sûr j'ai regardé un peu sur internet à quoi il ressemblait parce que je l'avais pas vu beaucoup, donc voilà, j'ai pris un peu exemple sur les photos que j'ai vues de ce chien Zelda. Donc voilà, enfin Link, c'est Link du coup, c'est pas Zelda mais c'est pas grave, vous m'avez compris. C'est parti, du coup je vais commencer à mettre les couleurs et d'abord je vais mettre ça autour pour pas que ça dépasse. Alors pardon, je le mets à l'envers. Donc c'est un graphite gum, en fait c'est une sorte de gomme qu'on met tout autour, comme ça ça permet d'éviter de dépasser. Donc voilà, c'est parti. Le graphite gum tout là où il fallait que ça reste blanc, donc tout autour ici, alors là j'ai pas mis parce qu'il y a les poils, dessus les yeux et un petit peu au-dessus des yeux aussi, parce qu'il y a des petites taches blanches là. Du coup il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, donc ça met pas très longtemps, et puis après on va pouvoir enfin coloriser. C'est parti. Donc pendant ça sèche, je vais vous dire quelque chose, je tiens à préciser aussi que c'est la première fois, enfin on va dire que c'est la première fois, c'est la première journée où j'en fais, j'en avais jamais fait avant. Si vous voulez, je me suis un petit peu entraînée sur des papiers, donc je vais vous les montrer vite fait. Donc j'ai fait celui-ci, vite fait, celui-ci, tac. Mais celui-là c'est vraiment le tout premier, franchement, je trouve que l'arbre est vraiment pas beau. Et ça c'est le troisième que j'ai fait, donc du coup le plus beau. Voilà, donc j'espère avoir un aussi beau résultat avec le loup. Donc voilà ce que j'ai fait à peu près, donc c'est pour ça en fait là ça va être mon quatrième dessin que je fais, que j'avais en fait, j'avais jamais fait d'aquarelle avant. Donc j'espère que ça va le faire. Donc je vous laisse regarder la suite, là je vais bientôt pouvoir faire, c'est bientôt sec. On se retrouve juste après. Donc voilà, c'est sec, donc on va avoir besoin d'un grand verre d'eau parce que et de plusieurs pinceaux, alors de différentes tailles un peu. Voyez, hop, et j'ai un peu un gros et un biseauté. Voilà. J'ai ces petits pinceaux là qui vont me servir exclusivement à l'aquarelle. Donc c'est parti, je vais commencer à mettre la couleur pâle. Donc là j'ai le vert clair et le vert foncé.
ce que ça donne une fois fini. J'espère que la vidéo vous a plu. Je suis assez contente, ça va. J'aurais pu faire beaucoup mieux, je pense, mais vu que c'est le tout début, je suis pas encore habituée à faire ce genre... de ce sens de couleur, parce qu'en fait, on n'utilise pas les couleurs de la même manière qu'au feutre ou à la peinture normale. Du coup, ça va. Mais je pourrais faire mieux à force de m'entraîner, et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça me ferait super plaisir. Et surtout, amusez-vous bien pendant vos vacances, je vous fais plein de gros bisous, bye bye! Enfin, si vous êtes en vacances, par contre, désolé. Pour ceux qui ne le sont pas, bah bon courage!